Bonjour à tous, c'est Mitra Pnama de Alert Ego et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les Uber Boss de Diablo 4. Alors, il y a un boss un peu particulier qu'on peut invoquer. Alors, vous allez les obtenir en faisant des donjons du cauchemar. Alors, je crois que c'est minimum de niveau 30. Vous allez récupérer ça. Alors, pas toujours, c'est de la peur distillée. C'est pas obligatoire. Hein. Il nous est arrivé de faire une dizaine de donjons et rien à voir. Donc, je pense que plus on fait des niveaux élevés, plus ça drop. Mais j'ai vraiment aucune certitude là-dessus. On a fait énormément de donjons, mais énormément. Hein, et j'en ai que 36. C'est pas énorme. Hein. J'ai fait beaucoup de donjons et des niveaux 100 et j'en ai que 36. Donc, on joue à deux. Je vous conseille vivement, c'est pas obligatoire, mais. Je vous conseille de jouer en équipe, hein, si vous pouvez jouer avec votre copain, votre copine, vos potes, vos frères, votre soeur, qui vous voulez, c'est quand même plus facile pour aller farmer tout ça. Alors, une fois que vous avez eu assez de peur distillée, vous allez vous rendre chez votre occultiste préféré. Faites attention, histoire vécue, c'est pas moi, mais une personne que je ne citerai pas, a crafté l'emblème. Et la bêtement recyclée. Alors faites très très attention lorsque vous allez crafter cet emblème-là. Je vais vous montrer. Donc ça va fabriquer des emblèmes ancestrales. Donc c'est celui-là. Donc brèche glaciale niveau 31. Moi je peux en crafter 4. Enfin, je vais en faire qu'un. Parce que je l'ai déjà assez farmé. Faites très attention. Donc vous le craftez. Et immédiatement, je vous conseille soit de l'ouvrir immédiatement, soit d'aller le mettre quelque part pour pas le perdre. Parce que c'est des fois quand on recycle la chaîne, et ben on a vite fait de dire à 31 et ça bouge et on le recycle bêtement. Voilà, allez. Donc, une fois que vous l'avez crafté, tout simplement vous le consommez. Là on le fait en groupe, donc j'attends que ce soit accepté. Et allez, let's go. On se TP et vous savez là dans la saison 2 par rapport à la saison 1, donc au tout début la saison 1, donc on utilisait le donjon de cauchemar, ça nous TP pas, on n'était pas, moi j'ai tendance à faire un verbe, tépeurer, ça n'allait pas nous TP près du donjon, fallait y aller à pied, ils ont amélioré, ils nous ont mis devant et là à la saison 2 ils nous mettent dedans, donc on connaît, hein, bizarre, ça va, on s'améliore. Donc là, c'est un niveau 31, on est 100. N'hésitez pas. Il a en l'occurrence pas trop d'intérêt. J'ai besoin de temps pour faire ça. Moi, j'ai aucun sens de l'orientation. Il faut plus de temps. Je peux sûrement faire tout le donjon en cherchant. Où se trouve le... Où se trouve le Uber Boss? Ah, le Uber, putain. Donc là, il n'y a rien, il n'y a pas de matériel particulier. Hop, il arrive de suite. Bon, alors, en niveau 100, forcément, c'est facile. Je pense que si on vient le taquiner avec un niveau un petit peu plus bas, ça va être plus pénible. Parce qu'il met des coups, voilà, c'est ça vous envoie dans le sphère devant, c'est perdre des PV. C'est pas si loin. Donc voilà, il est battu. Et il drop. Alors ça aussi, c'est pas obligatoire. Il peut vous dropper des uniques. Ben, normalement, il en drop. Je dirais que allez, 7 fois sur 10, il va vous dropper un unique. Hein, un unique qui va sur votre classe. Donc tous ces Uber Boss là sont très intéressants. Lorsque vous recherchez des uniques particuliers, j'aurai pas là de tête la liste à vous donner par classe de ce que ça peut dropper. J'invite à regarder peut-être sur Google, où je vous mettrai un lien dans la description des uniques qui débloquent. Mais voilà, c'est très intéressant. Donc voilà, je vous ai montré pour cet Uber Boss et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre Uber Boss. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bye bye.